Bonsoir à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les Sommes de toutes les peurs. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 7e numéro de la Complotech consacré à la peur du vampire. Alors, vous êtes au courant, si vous suivez un petit peu les chroniques de cette chaîne, il existe effectivement des théories du complot qui relaient à chaque fois l'existence d'une élite qui essaierait de dominer monsieur et madame tout le monde que nous sommes, beaucoup plus faible et donc beaucoup moins apte à concevoir cette idée de complot. En ce qui concerne les vampires, alors effectivement, quand on gravite un petit peu dans le labyrinthe de la complosphère, on peut se rendre compte que souvent, l'existence de rituels anciens est assez prégnante, notamment des rituels avec du sang ou des sacrifices humains, tels qu'ils pouvaient en exister dans d'anciennes civilisations. Et en fait, ces élites seraient en fait des personnes qui perpétuent ces anciennes traditions de manière complètement cachée et en ont fait une clé de leur pouvoir sur le reste de l'humanité. Voilà un petit peu pour dresser le portrait global de cette question. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'adrénochromie. Alors, qu'est-ce que ce phénomène qui est relayé partout dans la complosphère? Effectivement, c'est un terme assez particulier et qui a donné lieu à un film sorti en 2017 que je n'ai pas vu, je vous précise, donc je ne vais pas vous parler d'un film que je n'ai pas vu, mais le film s'appelle Adrénochrome. Alors, l'idée, on la retrouve aussi dans la version la plus récente de Shining, enfin l'après Shining, qui nous explique la vie du petit Danny Lloyd, après avoir survécu au drame familial qui s'est joué pour lui. C'est inspiré du livre de Stephen King, Dr. Sleep, et il est réalisé par Mike Flanagan. On y trouve comme casting, attention, Stephen King lui-même, Ewan McGregor et Rebecca Ferguson, notamment. Donc en fait, ça y fait partiellement référence, puisque dans leur combat, cette notion intervient. Je ne vous en dis pas plus parce que je vous laisse voir le film. Donc voilà pour ma part où est-ce que j'ai pu trouver trace de cela au cinéma. Donc l'adrénochrome, en fait, ça consiste en un mouvement de personnes complètement marginalisées, des sortes de vampires un peu des temps modernes qui, eux, sont à la chasse de capacités psychiques. Donc, si vous êtes une personne avec capacité psychique extraordinaire, vous intéresserez ces personnes-là, puisque finalement, en vous effrayant, vous torturant, c'est un peu, si vous voulez, une forme de théorie du contrôle mental fondée sur les chocs post-traumatiques en vue d'obtenir certaines capacités chez quelqu'un. Là, c'est la suite. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a telle capacité psychique extraordinaire, comment se les approprier? Parce que c'est bien qu'elle les ait pour elle. Mais alors, c'était bien dans la théorie du MK Ultra pour permettre aux militaires de transférer des infos. Après, je ne suis pas sûre que parce qu'on a des chocs post-traumatiques multiples, on devient télépathe ou télékinésie. C'est pas évident, c'est loin d'être prouvé, mais bon, voilà ce qui se défend. Et en fait, l'argument avancé, c'est que du coup, une fois que cette personne a ses capacités psychiques extraordinaires, comme le jeune Danny Lloyd devenu homme, hein, qui lui a ce pouvoir de Shining, qui est un pouvoir médiumnique en fait, et de télépathie, pour s'approprier ce pouvoir, certains sont obligés de consommer non plus le sang de la personne, mais une sorte de molécule
chimique qui serait invisible mais qui matérialiserait en fait le psychisme contenant la capacité. Je sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter là. Que vous vous approprieriez. Approprieriez. Rien que ça. Donc voilà la théorie de l'adrénochrome. Autre théorie avancée, alors ça c'est celle du film, hein. Autre théorie avancée, mais je trouvais que c'était un bon parallèle, une belle allégorie de la question. C'est en fait ces élites toujours un peu malsaines et qui font toujours des trucs très chelous, hein, parce qu'ils font jamais des trucs normaux, genre, je sais pas, des randonnées du cheval. Aller au marché. Non, eux, leur délire, donc de ce point de vue-là, c'est de consommer le sang de victimes, si possible, enfants, après qu'ils aient eu suffisamment peur et donc dégagé suffisamment de molécules liées à la peur dans leur sang. Et ce sang consommé permettrait de conserver la jeunesse, la beauté. En fait, c'est un produit de beauté que l'on ingère. Le sang d'un enfant torturé et traumatisé. Ça, c'est la théorie de l'adrénochromie qui circule sur Internet. Voilà. Et bah, cette théorie, c'est l'explication à des enfants disparus, à des enfants non réclamés, au mouvement de population aussi, hein, ça va très loin. Voilà, pour que les élites puissent s'abreuver de ce sang. Ouh. Alors, quand on entend ça, on se dit, allô les copains, va falloir appeler Sigmund là, parce qu'il y a un gros souci quand même. Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Autant le délire d'Elisabeth Báthory, bon voilà, on peut comprendre, parce que, bon, c'est ancien, c'était une époque peu avancée scientifiquement, enfin moins ou différemment qu'aujourd'hui, c'est selon. Mais là, franchement. Bon, c'est complètement dingue. Enfin, moi, je trouve ça complètement farfelu comme idée de dire, voilà, ce qui explique les disparitions d'enfants. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a des gens qui sont très mal dans leur tête et qui éprouvent le besoin de faire du mal aux autres et d'autres plus ciblés aux enfants. Ça s'explique par la psychiatrie très bien. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Après, libre à vous d'y croire. Parce que peut-être que en recoupant des informations, des témoignages et finalement par rapport à votre vécu et à ce que vous pensez du monde, vous imaginez que cela est possible. Moi, je peux pas. Je ne peux pas, en fait, imaginer que cela est possible. C'est tout. Après, je suis peut-être déficiente, comme on a pu l'entendre. Parce que attention, sur la complosphère, c'est pas toujours tendre et vous avez même. Certains de mes chroniqueurs favoris, vous passez votre petit quart d'heure d'engueulade bien, bien sec parce que vous êtes un peu trop bête à leur goût. Mais bon, c'est ce qui fait tout leur charme, on va dire. Mais donc voilà. Donc on rassure les ados, enfin je veux dire, rien ne démontre ça. Cette théorie ne s'appuie sur rien de scientifiquement exact. Même le fait que la consommation d'une molécule de la peur générée par un choc traumatique hyper important permettrait. Enfin, il n'y a pas de lien entre les deux infos, quoi. Le choc post-traumatique et la jeunesse éternelle. Enfin, c'est démontré nulle part. Donc, quels sont les indices qui sont érigés en preuve par cette théorie? Alors, bon, moi, à chaque fois qu'il y a des choses dramatiques, je pense avant tout aux victimes, à leurs proches et à leur famille. Donc, on relaie cette information parce qu'on a envie de savoir, on n'a pas envie de tout savoir. Et je témoigne beaucoup de respect pour les gens qui auront perdu cette personne. Donc, c'est lié à tout le travail de Roman Polanski pour le film Rosemary's Baby, mais à la femme qu'il a perdue quelques temps avant la réalisation de ce film. Donc voilà, les gens ont fait un lien. Le film, ça, après, c'est vrai qu'elle est morte dans des circonstances complètement obscures, puisqu'il s'agissait d'un groupuscule qui pratiquait des rituels ouvertement satanistes, enfin voilà.
Et donc voilà, donc ils se sont dit, ça arrive à la femme d'un réalisateur, donc le cinéma est le premier consommateur de ce genre de trucs. Voilà, c'est l'indice qui devient une preuve.